Bonjour tout le monde. Cette petite vidéo pour vous expliquer la différence entre les oxydes métalliques et les pigments céramiques. Alors, ce sont des matériaux différents. L'action et leur nature sont différents. L'oxyde, c'est un colorant, c'est un métal qui a eu de la corrosion. En fait, le métal, à cause de l'oxygène, ça abîme le métal. Ça s'appelle la corrosion. C'est l'altération du métal. Exemple sur le fer, la rouille. Les principaux oxydes, ils viennent du chrome, du manganèse, du fer, du cobalt, du nickel et du cuivre. L'oxyde que l'on obtient avec ces métaux, on va le dissoudre dans un émail. Ça va provoquer des couleurs différentes selon l'émail choisi, la température de cuisson et l'oxygénation du four et également du biscuit que vous allez utiliser pour poser votre émail. Les oxydes se dissolvent dans l'émail. À la cuisson, le résultat obtenu pourra varier d'une couleur à l'autre. C'est donc difficile d'obtenir toujours le même résultat lors de plusieurs cuissons. Certains de ces oxydes, comme le cuivre et le manganèse, ne peuvent pas être utilisés dans un émail si vous avez fait des objets pour un usage alimentaire. Il faut toujours contrôler les infos de votre fournisseur sur vos oxydes. Car le lait, le thé, le vinaigre, le jus de fruits, dans ces articles, il y a de l'acide lactique pour le lait, citrique pour les fruits, oxalique pour les légumes, acétique pour le vinaigre, etc. Et ceci provoque une réaction et ceci est dangereux dans les produits alimentaires. Vous devrez toujours, quand vous utilisez des oxydes et même des pigments de couleur, vous protéger. Les oxydes en poudre sont dangereux pour vous et pour l'environnement. Il y aura de fait des étiquettes sur les emballages vous indiquant la dangerosité. Je vous précise que les vapeurs d'oxyde qui sortent de votre four à la cuisson dégagent des vapeurs pouvant causer des dommages neurologiques irréversibles. Même en poudre avant la cuisson, c'est dangereux. Protégez-vous, mettez un masque et mettez une cheminée avec un conduit qui sort directement à l'extérieur pour éviter de vous intoxiquer à l'intérieur. Ces gaz bougent, passent à travers les fentes et peuvent vous empoisonner. Une bonne évacuation de votre cheminée est donc essentielle. Parlons maintenant des pigments de couleur. Pour obtenir des pigments de couleur, il faut avoir une poterie, une céramique obtenue par frittage, c'est-à-dire un procédé de fabrication consistant à chauffer entre 900 degrés et 1400 degrés Celsius de la poudre pour que les grains se soudent entre eux. Cette poudre a été colorée préalablement avec des oxydes et des composants minéraux en poudre. Puis on les cuit, on les transforme entre 900 degrés et 1400 degrés Celsius. Puis ensuite, comme ils sont devenus durs, ils sont concassés et lavés, puis broyés très finement. Les couleurs de ces pigments vont donc varier selon la création à la base de la couleur. Avec les pigments, quand on les achète tout prêts, la couleur reste très stable et on peut la réutiliser chaque fois, on aura pratiquement chaque fois le même résultat si on met le même pourcentage de poudre dans notre couverte ou dans notre émail. Vous allez devoir également contrôler, comme avec les oxydes, leur teneur en plomb. C'est indiqué obligatoirement sur les boîtes par les fournisseurs. S'il y a du plomb, ça doit impérativement être indiqué car on ne peut pas utiliser à ce moment-là sur de la vaisselle, des assiettes et des choses comme ceci.
La possibilité d'un usage alimentaire doit être stipulée sur le produit. Vous pourrez faire vos engobes vous-même, aussi bien avec vos oxydes qu'avec vos pigments de couleur. Vous pourrez mettre vos oxydes et vos pigments de couleur dans de l'engobe blanc, soit dans une couverte, soit dans un émail blanc. Vous pouvez mélanger aussi bien les oxydes que les pigments de couleur pour faire des engobes. Vous mettrez ça dans de l'engobe blanc, en respectant les pourcentages donnés par les fournisseurs, ou dans une couverte, ou dans un émail blanc. Il existe aussi des crayons d'oxyde. Tout comme l'engobe, l'émail ou les jus d'oxyde, vous pouvez appliquer au pinceau, à l'éponge, au pistolet. Toutefois, au pistolet, il faudra mettre une colle dans la préparation pour que cela adhère beaucoup mieux à votre biscuit. Les oxydes, généralement, sont présentés en poudre, mais vous pouvez également avoir des jus d'oxyde. Un jus d'oxyde, c'est tout simplement de l'oxyde métallique mélangé à de l'eau. Cela devient et s'appelle un jus d'oxyde. Que vous pourrez utiliser soit au pinceau, dessous ou dessus un émail. Lorsque vous allez préparer vos oxydes pour les mélanger dans votre couverte, il vous faudra utiliser 100 g de couverte et un demi-gramme d'un oxyde. Faire des tests et augmenter au fur et à mesure demi-gramme par demi-gramme. Jusqu'à ce que vous obteniez, après vos tests, le résultat escompté. N'oubliez jamais la préconisation de cuisson de votre couverte. Elle doit être impérativement respectée. Vous pouvez mélanger vos oxydes avec plusieurs sortes de couvertes, mais la courbe de cuisson devra correspondre à la couverte choisie. Tous les oxydes ne se diluent pas à la même vitesse dans un émail. Contrôlez donc bien la vitesse où ça se dilue et ensuite passez bien tout au tamis. Lorsque vous colorez avec vos pigments de couleur, il faut également tamiser. Pour celles qui font de la terre mêlée, sachez qu'avec les pigments de couleur, vous pouvez colorer votre argile. Et ensuite utiliser en terre mêlée. J'espère que cette petite vidéo a été suffisamment claire. N'hésitez pas à me poser plein de questions. La coloration de l'argile fera l'objet d'une autre vidéo.